Bonsoir. L'émotion est palpable. Ah là, je tremble un petit peu là. Tu exagères la tremblement. Non, je te jure, regarde, j'exagère pas du tout. Ouais, normalement vous avez vu le titre de la vidéo. On refait notre concert 15 ans après dans notre lycée, on est de retour avec tous les potes. Tous nos meilleurs amis, les mêmes potes, ils sont là. Et Martin qui du coup est ingé son avec nous. Aujourd'hui il est ingé son. On s'est réunis, donc là c'est en cachette des élèves. On est donc devant le lycée Albert Camus à Bois-Colombes, qui était notre lycée il y a 15 ans. En 2003 on avait joué, on avait fait un concert sauvage dans ce lycée. C'était totalement illégal. La direction n'était pas au courant, oui. Les élèves non plus. Aujourd'hui, la direction est au courant, oui. Pour des raisons évidentes. Ouais, pour des raisons, mais les élèves non. Donc il y a quand même un aspect surprise qui est immense. En gros, les élèves ne sont pas au courant, mais on va débarquer dans ce lycée dans quelques minutes, s'installer comme à l'époque, passer les instruments par-dessus la grillage. On a ramené les potes qui nous avaient aidés à l'époque, on n'a pas vu pour certains depuis plus de 10 ans. Et on va se rhabiller, on a les mêmes fringues qu'à l'époque, et on va retourner jouer dans notre lycée. C'est pas bon ça? Ah là les gars, non. Ça va être fou, on ne sait pas, on a répété aussi. On va refaire exactement le même concert avec toutes les erreurs et les trucs qu'on ne savait pas. Pour refaire les erreurs aussi? Bah, j'espère, on verra. Donc, bien. On a aussi les mêmes instrus, regarde. Vraiment, c'est la même caisse claire Piccolo pour ceux qui connaissent. On a la petite splash et tout, c'est la même grosse caisse qu'à l'époque. On est exactement pareil avec un poil plus de calvitie, un poil plus de poids, mais c'est la même chose, la même énergie, je crois. Mais il y a Schneider, viens. Oui, c'est lui, regarde. Schneider qui jouait avec nous à l'époque. Salut la commu, je fais des pranks, ça tourne bien si vous voulez sur ma chaîne. Lien dans la description, lâche un like. C'est évidemment faux. Tu peux nous expliquer un prank qui tourne bien? Un prank qui tourne bien, alors j'ai fait une vidéo là, je vais à la boulange, je prends un pain au choc, ça tourne bien. D'accord, ouais. Cool, bah, ça doit bien marcher, combien de vues? Là, je suis à 2 vues, c'est ma mère et moi. Donc pour que vous soyez informés, parce que je sais pas ce qu'on gardera au montage, on est en live sur notre chaîne YouTube, regardez. Et c'est Charles qui filmait à l'époque avec une caméra mini DV. Grâce à lui à l'époque on avait eu un vlog 10 ans avant tout le monde, aujourd'hui c'est lui qui filme. Et d'ailleurs c'était très bien monté à l'époque mec, t'avais assuré, ouais. De ouf. Mais est-ce que t'as travaillé un peu le montage et la vidéo entre temps? Non. Donc voilà, toute la même team, sauf qu'aujourd'hui, bah, on a des cadreurs et on a une prod, oui. Qui a des affaires. On a essayé de reproduire le même style qu'à l'époque, donc on va se fringuer tout simplement. T'as remis déjà les mêmes choses. Les gars, j'avais des New Rocks. Ah, Pantacourt les gars. Oh merde. La prod, vous êtes les meilleurs, c'est magique. Vous savez quoi? Ce qui a changé depuis l'époque, c'est que j'ai maigri et tout. Oh putain, en plus avec le truc qui fait... Il y a des bourrelets sur tes bourrelets quoi, c'est un truc de fou. Et moi j'ai les mêmes cheveux qu'à l'époque. Oui. Et ben voilà, 15 ans après, j'étais comme ça. C'est tout. C'est tout. T'étais pas fait chier, toi. T'avais pas de couvre-chef? Rien du tout. J'avais une coiffure à l'époque. Quand vous disiez qu'il y a tous nos potes, vous pouvez regarder, on peut mettre des extraits. Vous pouvez regarder le medley de l'époque et essayer de repérer qui sont nos amis. C'est intéressant comme jeu. Ouais, c'est parfait, mais regardez le baggy que je ne peux pas faire. Oh là là. Le baggy trop petit. Les grosses chaussures des skateurs qui savent pas skater. Enfin, belle. C'était des Osiris à l'époque, là c'est des DVS, mais c'est le même délire, bravo. Oh, les gars, ça c'est beau ça, ça c'est incroyable d'avoir fait je ça. Je peux pas du tout. Mais en plus il est stylé. Je peux pas du tout les mettre. À mon avis, faut prendre une bonne taille et demie au-dessus. Non, mais c'est le mollet qui rentre. Parce pas. C'est le mollet. T'as vu le mollet, c'est un navire. C'est mal, tu mollet. Peux pas. Et regarde ça. Tu vois la différence? Pas la différence, y a aucune différence. À part peut-être le charisme qui n'a fait qu'évoluer. Petite info, j'ai repéré, à l'époque on était passé par-dessus la grille. Et là, 15 ans plus tard, la grille est bien plus haute. Ouais, la grille a été refaite pour cette raison. Et on a même retrouvé le t-shirt de l'association sportive du lycée. Ça, c'est Tommy qui a retrouvé ça. Tu l'as gardé alors qu'il fallait le rendre à la fin normalement de l'année. On refait tout comme à l'époque. Oh merde, ah ouais, oh là là. Mais t'avais ça. C'était les cheveux. Regarde. C'est les cheveux que j'avais à peu près à l'époque. T'étais comme ça vraiment. Jennifer Aniston. Bah, Fildar, c'est le chanteur de Kadinja, vous met un extrait tout de suite et c'est un tueur. C'est un groupe de métal formidable. On a changé nos fringues, on est prêt et on y va, il est l'heure finalement. Parce qu'on va essayer de s'implanter à la récré. Avant la récré. Juste avant, un petit peu. On va essayer d'arriver un peu avant la récré. Ok les gars, chacun a un instrument et une idée d'instrument. Moi je prends ça, je prends le truc le plus lourd. 15 ans ont passé, mais l'énergie est toujours la même. Alors regardez, je vous présente mon petit frère qui est ici. Tu vas bien? Il s'appelle Osiris. Armand. Là c'est ça, le projet c'est juste de la poser comme ça. La difficulté est si grande. Faire comme à l'époque, faut qu'il y en ait qui passe de l'autre côté. Les plus habiles passent devant. Oui, voilà. Ça c'est bien. Voilà. Ok, on fait passer les cadreurs de l'autre côté. On a un escabeau cette fois. Attention, ne sautez pas de là. On fait ça alors que la direction est ok. On a juste envie de refaire. Les gars, technique de cambrioleur. Un matelas ou un gros manteau molletonné. Pour des raisons que je ne vous dirai pas. Tommy est revenu dans ce lycée après quelques années. On est rentré illégalement la nuit. On est allé dans la cantine, dans la chambre froide. Pour manger des trucs. Et Tommy a sauté de là en partant le soir et s'est cassé le talon. Il s'est cassé le talon. Allez, Schneidy. C'est parti. Allez. Allez. Ah ouais, c'est beaucoup plus haut qu'à l'ancienne. Mais oui, mais mec. Ah ouais. Non, mais c'est impossible. En fait, faudrait prendre appui là-dessus, mais c'est... Les mauvaises idées qu'on donne aux gens. Non, mais il y a notre garde du corps qui peut t'aider là-bas. 32 000 personnes en live. Oh là, oui. Oh, oh. Mais comment vous faites? Je peux pas, moi. Tu peux me rattraper derrière? Voilà. Attends, regarde, laisse-moi descendre un peu. Ah, c'est dans mon cul. C'est bon, Schneid. Attends, rattrape-moi par là-bas, comme une princesse. La veste. Ah, la veste. Ouais. Ah, la vache. Attends, on va enlever ça, tiens, mets ça. Ah, la vache, mais comment on fait, les gars? Comment on fait?
Oh là 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 là. Oh non. Oh là là. Non, 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 tu vas te faire enlever le pied dessus. Voilà. Ah, les gars, je vais mourir. Mets-toi debout. Il a vraiment peur. Il a vraiment peur. Ouais. Attention. 1, 2, 3, part. Bougez-vous, bougez-vous. Bougez-vous. Mais fais gaffe. Wow. Le poids sur les chevilles. Il y a eu ça. Les gars, on y va tous ensemble. Attends, il y a déjà des élèves qui sont au courant. Faut aller vite pour s'installer. Allez, go, 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 go. C'était là où j'ai embrassé la première meuf. Pas que embrassé. Bon, ça sera. Tu coupes. T'imagines, t'es au bahut et on dit non, tu rentres pas chez toi vendredi. Il y a un concert. Et alors on fait la même. T'as marre, c'est où? C'est ici. C'est par là, c'est par ici. C'était par là. Vas-y, c'était par là. Ok, c'est guitare. Je te pose ça ici. On va voir, et pose par là, on va checker. Il me faut une chaise, ouais, les gars. C'est dans la perle où on était. Schneido. Ah ouais, c'est la Fender. Eh, le soleil est avec nous en plus. Alors. Oh là, cette chaise. Regarde bien, cette chaise et ses chaussures. Putain. J'ai pas les mots. Je te jure, j'ai pas les mots. Trop d'émotions, cette chaîne YouTube me rend dingue. Là, je suis pas mal, là, c'est fou de revivre ça. Ils se remettent comme à l'époque et ça a même pas commencé. C'est fou. Hey, ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes chaud, Albert Camus? Hey, est-ce que McFly il a des cheveux de ouf? Est-ce que moi j'ai des cheveux de ouf? Vous pouvez dire la vérité, vous avez le droit de dire la vérité. Pas du tout. Est-ce que vous connaissez McFly et Carlito? Ok, est-ce que vous saviez qu'on était élèves dans ce lycée il y a 15 ans? Est-ce que vous avez vu la vidéo qu'on a retrouvée en 2003? On était ici exactement sur ce sol qui n'a pas bougé. Le lycée n'a pas été rénové du tout. Même pas une couche de peinture. Mais par contre, la direction est hyper cool. Et cette fois-ci, ils nous laissent refaire le concert alors qu'on n'avait pas eu le droit il y a 15 ans. On le refait pour vous. Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Ouais. Voici pour vous, ce soir. Ce soir, pas du tout. Je suis trop chaud là, je me crois trop sur une salle et tout. Sur une salle? Au-dessus d'une salle. Je me crois trop dans une salle de concert, je me la raconte. Voici le concert que certains ont vécu il y a 15 ans pour vous aujourd'hui. Albert Camus, on veut du bruit! C'était à nous ça! Thank you.
même concert avec des chansons que vous ne connaissez plus, avec les mêmes ratés, les mêmes pains, mais c'est pas grave. C'était la fin, on a refait notre rêve. On a réalisé notre rêve une deuxième fois, c'était énorme. On est encore là si vous voulez faire des photos, des câlins, des bisous. Ok, après ce concert, on va se faire un plaisir de malade. On va juste se faire un kiff, on va revisiter notre ancien bahut, du coup on va vous le faire découvrir. Je vous rappelle le gag de ces escaliers. Je t'aide. Attends, merde. C'était plus drôle en vrai. Ça marche pas du tout en vidéo. Ça n'a pas changé, regarde, cette teinte n'existe même pas. Dans les nuanciers, ça n'existe pas cette couleur. Mi-rose, mi-chair, mi-pâle, mi-beige, on ne sait pas. Attendez, donc je récapitule. Un de nos gags préférés de l'époque, c'était de rentrer dans les classes au hasard pour faire des petits spectacles et surtout pour demander les cahiers de texte. Vous savez, les grands cahiers de texte. Par exemple, excusez-moi, vous avez les cahiers de texte de la 6ème B? On va essayer de faire pareil. Oh, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de cours. Vous allez bien? Est-ce que vous avez les cahiers de texte de la 6ème B? Non? Désolé, je me suis trompé. Bonne journée. Ok, petit jeu, on ouvre des portes au hasard. C'est moi la prochaine. Oh! Il est trop drôle. Directement. Schneidy, à toi. Excusez-moi. Bonjour, c'est pas le cours de techno? It's English. It's English, oh, I'm sorry. Have a good evening. Bye-bye. Yes, bye. Bravo. Merci. Les profs sont si courtois. Ah! C'est horrible. C'est horrible. C'est moi. Bonjour. Vous étudiez quoi en ce moment? Espagnol. Parfait. Oh là là! Doublette! Oh, ça va, Rouya? Regarde, nous, 15 ans après. Ça fait quoi, là? Vous êtes pas accepté? C'est qui, quel cours? Tu veux qu'on aille négocier? On va négocier. Ils ont été refusés en cours à cause de notre concert, donc on va essayer de négocier une réentrée. Oh la vache, la prof a l'air vénère. On y va doucement avec amour. Fais-lui Instagram. Bonsoir. Je suis désolé de vous déranger. Mais on a croisé des gens qui ont pas été acceptés en cours. Ça va, Alexandre. En fait, c'est de notre faute. C'est madame. De notre faute. Vous allez vous faire emmerder. Mais je sais, on est totalement désolé. En fait, c'est de notre faute s'ils sont pas en cours, donc on assume la responsabilité. Vous pouvez nous donner des heures de colle. Non, pas du tout. C'est hors. Non, vous serez tous flottés. Est-ce que vous pouvez réaccepter les élèves en cours? C'est de notre faute. C'est pour notre chaîne YouTube. On vous implore. Ils ont très envie. Ils ont très envie d'étudier, et pas vrai? Et on promet qu'ils seront très sages. Allez, les gars, on y va. Dites pas merci surtout. Hein, et surtout les gars, si j'entends un truc comme quoi vous avez pas été hyper sage, bah je vous fais rien du tout. Allez, merci, merci madame, merci beaucoup. On croit rêver, on croit rêver. Elle a dit ça? Oui. On croit rêver, cette phrase de prof. Eh, hey, on a réussi notre mission. On va aller voir nos gymnases. C'est quoi déjà le nom? Gymnase Max Boy. Max Boy, Max Bois. Et on peut y accéder facilement là? On peut... Ouais, bah m'engueulez. Oh là là, écoutez-moi. Vous voyez... La flaque d'eau, les gars, la flaque d'eau. La regardez, d'eau. Elle est toujours là. Attends, c'est pas possible, on va la voir. Ouais, un jour, j'avais repéré une flaque d'eau ici et j'avais appelé, je sais qu'il y avait Tommy. Tommy et Wam. C'était toi? Ouais, bien sûr. Salut, tu vas bien? Tu vas bien. Et donc, j'avais appelé Tommy, Gela et David pour leur dire, j'ai repéré une flaque, venez, on met des maillots de bain et on y va, on saute demain dedans. Et je me rappelle que pour nous, c'était une orga de ouf. Ici, c'est un peu un renfoncement, en gros. Et quand il pleut pas, il y a quand même de l'eau. Et donc quand il pleut... Jacasse. Et quand il pleut, elle est remplie, mec, je me souviens. Ah non, c'était là, je crois. Je sais plus où c'est, mais il te rappelle, elle est quand même énorme. On débat sur une flaque. Donc là, c'est le lycée, là où on vient de faire notre concert et tout. Là, c'est le collège, ils ont tout refait. Et pour aller au gymnase, qui est tout au bout, il faut passer par le collège. Y a-t-il des élèves? Va-t-on être dérangé? Y aura-t-il des cris? Vous le saurez après la pub. Il est possible que plusieurs fois, on soit entré par là et qu'on soit entré illégalement dans ce gymnase. C'est possible. Est-ce que ça a vraiment existé? Je ne sais pas. Max Boy, c'est un très bon nom de youtubeur, Max Boy. Hein. Attention. Oh, les tables de pub. Oh, les tables de pub. Oh là là. Oh là là. Les gars, on fait une montante descendante. Hein. On se fait une tournante. Ah ouais. Oh, l'odeur. Mi-javel, piscine, mi-chiasse. Oh, on aimerait tellement vous mettre un odorama sur YouTube. Et hop, on vous en met un. Alors, il y a un cours. Ah merde. Il y a un cours. Je suis désolé, monsieur. Étudiez. C'est important de savoir faire des rondades dans la vie. Nope. Plusieurs infos à vous livrer. La catégorie sport de Camus est super forte. J'ai pas les idées et tout, mais il y a des noms de gens très connus. Mais si, Coupe du Monde, il y avait un footeux qui était ici. Allez, niquez-vous. Ah oui, Nzonzi. Steven Nzonzi, c'est ça? Il était là, il était. Ah, il joue au Racing de Colombes. Donc il était pas à Camus du tout. Mais il était dans le coin. L'info était presque. Il était pas loin d'ici. Non, mais en vrai, gros big up à la section sport de Camus. Les formations, elles sont charmées. Dans ce gymnase, on a tourné une vidéo avec Schneideps il y a quelques années de ça pour le Fat Show. On vous remet un extrait. Les gymnastes urbains, tu te rappelles, mec, on l'avait commencé. Mais pas que, et aussi, et la blague de Schneider. Ah oui, la blague de Schneider. On a un extrait, trop bien. Ah,
On va faire un peu de gym vite fait. Je pense qu'on peut faire un peu de gym, ouais. Oh, le prof, ça se trouve, il va nous en mettre. Si tu peux faire. On prend la confiance. Bonjour. Vous êtes le prof? Ouais. Est-ce que tu nous autorises à faire une petite rondade? Ouais, bien sûr. Devant tout le monde. Je les rassemble. Vas-y. Ok, on fait une petite démo. Ah, vous voulez noter McFly et Carlito en acrosport? En accro? Je commence avec un saut de biche. Et après, il y a un enchaînement en rondade. Là, on va. Saut de biche, déjà, c'est pas mal. Allez, applaudissements pour McFly! Attends, les gars! Je suis fait si mal! Claquage. C'est ce qu'on appelle plus communément un saut de buffle. Attention. Ok, je tente une rondade sans échauffement, hein, la pire chose. Ouais. Regarde le corps. Le corps du gars. Oh. Oh. Attendez, la note, vous avez pas dit la note. 5, c'est 5, c'est 5. Allez, Carly. Allez. La vache. Oh. Je m'en fous, j'ai mon bac. La note. Merci beaucoup. Super. Attends. Allez, mais quelle aisance, Allez. Ouais. C'est le meilleur, c'est avec lui qu'on a tout fait. J'ai même pas regardé. Il a réussi ou pas? J'ai même pas regardé. Il a même pas regardé son pote. Allez, on libère le prof. Allez, merci. Merci à tous. Ciao. Merci beaucoup, c'est cool. Bon voilà, on a fait notre parcours mélancolique, je sais pas comment dire, on s'en fout. Et on va débriefer tout ça, c'est la fin de cette vidéo. On est épuisé autant qu'heureux, c'est parti. Voilà, on s'est baladé, c'était terriblement émouvant. On est arrivé. Yes, ça c'est l'émotion ça. Mais mec, j'essayais de mettre de l'émotion, un truc bienveillant, il me rentre à la gueule. Putain, mais t'es un pierre à feu, sérieux, c'est un truc de ouf. C'est vrai que c'était fou de revenir là-dedans, et surtout la news qui est incroyable, c'est que le lycée va être refait complètement dans quelques mois, quelques semaines. C'est vrai. Demain. Non, là, s'exagère peut-être. Ah, pardon. Ce lycée qui a pas bougé depuis qu'on y était, en fait, depuis 15 ans, c'est le même sol, il y a même pas eu un coup de peinture. C'est vrai. C'est la dernière fois qu'on a pu le voir, donc on en a profité. Ce lycée, il nous a permis d'avoir un groupe de potes fous et qui tient avec les années. Ils sont là. Une petite dédicace à Souf qui n'est pas là car il va être parent, un très bon père. Grave. Et sinon, les potes sont là, c'est fou. C'est fou. Incroyable. Martin aussi. Martin qui est là, évidemment. Martin, pourquoi il ne perche pas dans le champ du coup? Perche dans le champ. Ça sert à rien que tu sois hors champ, c'est vrai. Donc voilà, c'était charmé, on a refait le même concert 15 ans après. C'était un truc de malade. Putain, les gars. Allez en cours, sinon vous savez pas ce que vous pouvez louper. Ok, merci d'être venus, les gars. Merci, bravo, putain, mais quel amour, quel bonheur d'en faire ça. En plus, on a le soleil avec nous, putain, c'est presque trop émouvant. Il y a un truc avec le bahut, on a une espèce de nostalgie là qu'on peut pas y couper, c'est comme ça, ça nous ressemble. On dit la phrase de fin ou vous avez une autre connerie à balancer? Tommy, t'as une chaîne YouTube? Bientôt, elle va s'appeler Bonjour, bienvenue, coin.com. 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 Créé là, je te jure. Bonjour, bienvenue, coin.com. Il y a des analyses. Okay. Voilà, avant de vous quitter, Bech qui est ici, elle a la plus grosse top du 9-2. Schneid, c'est notre meilleur ami pour l'histoire de la vie. Et Charles. Il fait des gags privés devant 4 millions de gens. Merci, non, c'est lui qui avait filmé le premier Midless. Sans lui, il n'y aurait rien de tout ça. Aucune trace. Fildar, vous savez, il a un groupe, on a dit Kadinja. Allez voir son groupe, on va vous mettre les liens. C'est un putain de groupe de malades trop stylé. Qui la connaît, la phrase de je pense que nos meilleurs potes, ce sont ceux qui connaissent le moins de contenu. C'est sûr, c'est tout à fait normal. Tente. Pourquoi? Je tente la phrase de fin. 3, 2, 1. Souscrivez à un abonnement. Je l'avais pas eu tout. L'amitié, la vraie. We'll be right back.